This is not a partisan debate. It is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics. It is a question of our own survival. Streaming nie jest prostą technologią. On stworzył własną subkulturę, własne kody, własny język, sposób mówienia i rozśmieszania ludzi. Od samego początku streaming oferuje nowy sposób komunikacji. Pierwsi streamerzy nie byli youtuberami, a artystami kamery internetowej. As far as what I like to do, an awful lot of my time is spent simply working at my desk. Dziś streaming rewolucjonizuje sposób pracy. Stał się nowym open space'em. Każdy jest potencjalnym dystrybutorem treści, bez pośredników, jak kanały telewizyjne, radia czy studia. Streaming to powiew świeżego powietrza w sieci. Le streaming est une avancée technologique passionnante pour l'accès à la musique. Moi, je vois des jeunes adultes qui ont 20 ans et qui ont une connaissance de la musique. Je trouve ça génial, vraiment. Qu'on puisse accéder à de la pop coréenne et du rap nigérian et de la folk mexicaine très facilement. Là où auparavant, en fait, j'avais tout simplement pas accès ou très peu, difficilement accès à ces musiques. Od samouczków popularno-naukowych po konferencje i kursy online. Streaming spełnia wszystkie obietnice internetu jako źródła dostępu do uniwersalnej wiedzy. Moi je sais que j'ai des mômes. Ils m'ont fait découvrir des choses sur YouTube que je soupçonnais pas. Des gens qui faisaient de la médiation scientifique en recherche sur YouTube, des youtubeurs ultra talentueux qui diffusent des articles de recherche, des mômes de 14 ans, 16 ans qui regardent ça. Ces gens-là, ils le font mieux que nous-mêmes, les chercheurs. Mais ils connaissent la recherche. Moi-même, j'ai appris des choses en regardant. Je suis devenu consommateur de ça. Je m'attendais. Donc, c'est pas que les chats, YouTube. W niedalekiej przyszłości streaming może nawet pomóc nam walczyć przeciwko zmianom klimatycznym. IPCC sama to dostrzegła i założyła własny kanał na YouTube. Jako narzędzie pracy naukowców, streaming służy jako rzecznik badań, jako megafon ostrzegający przed zagrożeniem ekologicznym. Le streaming est une formidable technologie dans un ensemble de situations critiques. C'est aussi une formidable technologie quand on est en pleine pandémie pour continuer à fonctionner, pour continuer aussi à accéder à de la culture, etc. Le sujet, c'est l'usage raisonnable, en fait, du streaming. C'est ça, le sujet. Streaming jest potrzebny, więc musi stać się bardziej ekologiczny. Ale w jaki sposób? W żadnej sferze naszego istnienia nie da się uniknąć śladu węglowego. Mieszkania, odzież, żywność, transport. Wszystkie te sektory stają się teraz przyjazne środowisku. Streaming, podobnie jak reszta świata cyfrowego, uwalnia się od tej nowej normy. Spalamy dane, bez opamiętania. Nasze odpady to nie tylko żywność. To również technologie. Najwyższy czas na to, by to streaming się dopasował. La sobriété appliquée au streaming, c'est pas non plus le retour à l'âge de pierre, c'est pas non plus le goulag, c'est pas de l'écologie punitive, c'est simplement être raisonnable. Et donc, quand on regarde une émission où la qualité de l'image, par exemple, n'est pas absolument prépondérante, je peux peut-être le regarder en haute définition plutôt qu'en 4K. Ça sera tout à fait suffisant pour suivre un journal télévisé. Streaming obudził w nas potrzebę natychmiastowości. Nie trzeba już czekać, by obejrzeć jakiś program. Koniec z harmonogramami. Oglądamy, kiedy chcemy. To znaczy natychmiast. C'est tellement génial, c'est tellement pratique, c'est tellement chouette le streaming. Parce que c'est vrai que c'est vraiment pratique et que c'est vraiment chouette. Et cette instantanéité et le fait de pouvoir consommer des dizaines de milliers de films ou de documentaires comme ça en claquant des doigts. Il y a un côté magique, il y a un côté super pratique. Et donc, on a envie de pouvoir continuer ces usages-là, quand bien même on commence quand même à prendre conscience que ça a des impacts absolument délétères sur l'environnement. Odzwierciedlając nasze ekscesy w internecie, streaming sprawił, że jesteśmy bardziej niecierpliwi niż kiedykolwiek. Przechodząc z 2G do 3G, a następnie do 4G, prędkość połączenia przyspiesza.
Za każdym razem wdrażana jest nowa sieć z nowymi antenami, nowymi serwerami i nowymi modelami telefonów. Niszczymy planetę, by zyskać kilka milisekund. On évolue toujours vers des réseaux de plus en plus puissants, des 5G, 6G, 8G, on va y arriver, parce que la bande passante doit être toujours, toujours plus grande ou toujours, toujours plus efficace pour plein d'enjeux. Parce qu'on est dans l'ère de l'instantanéité, on est dans la tyrannie du maintenant, tout de suite, et qu'on veut effacer toute l'expérience nécessaire de la frustration, de l'attente, de l'ennui, de la non-satisfaction immédiate. Le streaming, ça devient un mode de fonctionnement global et un mode de pensée. Wydaje się, że nic go nie powstrzyma. W swojej wszechmocy karmi nas do granic obrzydzenia i sprawia, że chorujemy na bulimię treści. Oglądanie seriali non-stop przez 8 godzin stało się normą. Streaming nie ma końca. Na Twitchu streamer pobił rekord 500 dni transmisji na żywo. Good morning, everybody. My name is Ron, GP Hustler. I've been streaming 24/7 on Twitch now for about 2100 hours. Dane atakują nasze życie, a to dopiero początek. Metaversum obiecuje w najbliższej przyszłości wciągający i wirtualny świat równoległy. Każdy będzie funkcjonował w postaci awataru lub hologramu, by móc grać, pracować, dyskutować czy uczyć się. W tym całkowicie cyfrowym świecie streaming będzie królem, który całkowicie podbił naszą rzeczywistość. Ponieważ jest narzędziem dostępu do kultury, streaming stał się sposobem interakcji społecznej. First, the feeling of presence. This is the defining quality of the metaverse. You're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language, maybe figure out if they're actually holding a winning hand. W metaversum streamujemy tak, jak oddychamy, nieustannie emitując dwutlenek węgla. Winowajcy, dystrybutorzy i pośrednicy są schowani. Jedno jest pewne. Dane płyną i nas zatapiają. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'au niveau du numérique, on se situe comme avant le choc pétrolier des années 70, quand on a eu en gros une hausse très importante des prix et que tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait changer de modèle. Sur la data, elle semble gratuite, infinie. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a. On est complètement captif de toutes ces données. Donc on est dans un système aussi de plus en plus complexe de gestion de tout par la donnée. Et on n'a pas effectivement encore vécu de choc numérique qui permettrait peut-être de se dire changeons de méthode. Streaming musi obrać nowy kierunek, przejść w kierunku bardziej opłacalnego modelu, w którym dane nie są ani bezpłatne, ani nieograniczone. Musi też skończyć z ideą, że cyfrowy znaczy niematerialny. Ça fait 30 ans qu'on nous fait croire que ça n'a pas d'impact en fait. Et comme n'importe quelle industrie, ça a un impact. Et du coup, comme n'importe quelle industrie, il faut aussi le réguler, il faut aussi le maîtriser, et il faut le faire entrer dans un cadre dans lequel c'est soutenable. W czasach, gdy liczy się każdy stopień ocieplenia, a obywatele są wzywani do zmniejszenia swojego śladu węglowego, podmioty cyfrowe zachowują się, jakby nie było żadnych zmian klimatycznych. Streaming, zaślepiony swoim wzrostem, rozwija się bez względu na zanieczyszczenia. On a besoin de savoir en temps réel ce que ça coûte quand on a une action, quand on a un geste numérique, qu'est-ce qu'il coûte? Ce genre de connaissances va être indispensable si on veut arriver à des neutralités carbone dont on parle, si on veut arriver à la protection de l'environnement et à respecter les recommandations du GIEC, il va falloir qu'on en passe par cette éducation et par cette capacité outillée des citoyens à savoir exactement ce qu'ils sont en train de faire et l'incidence que ça a. Podobnie jak zakazanie słomek czy plastikowych toreb. Małe gesty mogą zrobić dużo dobrego dla planety. Odpalacie 4G z pełną prędkością? Lepiej skorzystać z Wi-Fi, które zużywa 3 razy mniej energii. Zamiast streamować filmy czy seriale w 5G, lepiej wcześniej je pobrać. Podczas dzwonki pamiętajcie, że efekty wideo, takie jak rozmazane tło lub kocie uszy, nie są niezbędne. Jeśli możecie, w ogóle wyłączcie wideo. Ale co najważniejsze, dbajcie o swoje urządzenia, zamiast często kupować nowe.
Jeśli je zmieniacie, bierzcie takie, które nadają się do naprawy. Miłośnicy filmów, używajcie rzutnika. Le vidéoprojecteur sur la phase d'utilisation va consommer plus d'électricité, donc aura plus d'impact environnementaux sur la phase d'utilisation. Mais sa fabrication est tellement moins impactante que celle d'un écran à diagonale identique qu'il vaut mieux utiliser un vidéoprojecteur. Nasze telefony, tablety i komputery są czołowymi cyfrowymi emiterami gazów cieplarnianych. Kto by zgadł? Są takie piękne, takie gładkie. A jednak to okropni, bardzo energochłonni truciciele, których nosimy w kieszeniach i których wymieniamy tak szybko, jak to możliwe. Faut absolument réduire la consommation d'équipement. Ça c'est sûr. Il faut que ça dure plus longtemps. On peut pas vivre dans un monde dans lequel des smartphones vont durer que 2 à 3 ans. C'est pas normal. Et utiliser des ressources pour faire ça, c'est quand même pas réfléchir sur ce qu'on aura disponible dans les prochaines années. Comment faire? Jednak jak nie wymieniać telefonów, skoro systemy operacyjne stale się zmieniają, przez to działające urządzenia stają się przestarzałe? Gdy algorytmy kompresji wymagają coraz bardziej zaawansowanych technicznie procesorów? Kiedy cena naprawy tych przedmiotów jest zbliżona do ceny nowego urządzenia? Il faudrait maintenir les logiciels et les applications pendant 10 ans. Il faudrait avoir un modèle économique pour les constructeurs dans lequel c'est rentable pour eux de vendre un truc qui dure 10 ans, sachant que leur modèle de rentabilité aujourd'hui, pour la plupart, c'est quand même d'en vendre tous les 2 ans. Il faudrait un modèle juridique, du coup, qui grave ça, notamment en Europe. En Europe, on pourrait faire du lobby là-dessus, forcer aux mises à jour, forcer la réparation des équipements. Jednak to wymagałoby zmiany naszego stosunku do treści cyfrowych. Musielibyśmy zatrzymać to szaleństwo, ograniczyć użycie danych, poszukać czegoś innego, iść w jakość, nie w ilość. Comment faire durer un équipement? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'ensemble de mes usages? Comment en fait j'entre dans une autre relation avec le numérique, avec l'écosystème numérique, dans le sens où un téléphone qui est moins puissant, tu développes moins d'usages ou en cas t'es moins sur ton téléphone parce qu'en fait c'est plus lent, c'est etc. Et finalement tu dis bon, est-ce que j'ai besoin de tout faire par le numérique? W 2025 roku streaming będzie obchodził swoje 30 urodziny. IPCC prognozuje, że w tym samym roku przekroczymy próg 1,5 stopnia Celsjusza globalnego ocieplenia. Co by było, gdyby streaming wreszcie posłuchał IPCC? Są z tego samego pokolenia. 30 lat to wiek rozsądku. Jeśli streaming nie reguluje się sam, należy mu pomóc i w końcu uregulować go prawem. Nie ma cudownego sposobu. Czystszy streaming to przede wszystkim mniej intensywny streaming. W czasach, gdy internet zanieczyszcza bardziej niż lotnictwo, a wkrótce więcej niż samochody, czy nie nadszedł czas na detoks? Ale dziś proszenie internautów, aby byli rozsądni, to trochę tak, jak prosić palacza, aby rzucił palenie, podczas gdy ten kładzie nowy karton fajek w salonie. Moi, je crois pas vraiment à cette idée de dire aux gens faites attention, soyez responsables à votre consommation. Il faut plutôt poser la question aux entreprises et se poser la question à nous en tant que société. Qu'est-ce qu'on demande aux entreprises? Et il faut que les politiques se saisissent, je pense, du sujet pour voir qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui fonctionne bien technologiquement en termes, qu'est-ce qui est économe. Il y a plein de progrès possibles. Aujourd'hui, on ne les fait pas parce que la puissance informatique est tellement disponible et c'est pas cher qu'en fait, on n'a pas de raison de le faire, on va dire, au niveau du marché. Mais il y a plein d'options qui sont là, qui sont possibles, qui sont sous la main. Et le jour où ça deviendra soit rentable, soit vital, eh ben, elles seront là et elles seront prises en main, je pense. Technologia to tylko narzędzie do naszej dyspozycji. Od nas zależy, czy będziemy rozsądnie z niej korzystać, czy dostosujemy ją do naszych potrzeb. Nie chodzi o zysk firm, lecz o zachowanie równowagi między ochroną zasobów a czystą przyjemnością klikania. Will you play with me? Wersja polska Master Groove Studios. Czytał Adam Jędruszczak.